Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Subnautica. Excusez-moi, j'ai les yeux qui partent en couille, du coup, pile quand je lance l'épisode, c'est génial, c'est la fête. Nous sommes dans Subnautica et pourtant, chers amis, j'ai envie de discuter avec vous au sujet de quelques petites choses. Vous vous en doutez, quand ça part comme ça souvent, c'est pour dire stop à la série, c'est plus ou moins le cas. Hop, j'essaie de manger un petit peu, mais je crois que je vais commencer à avoir un petit peu de maladie. Non, ça va, ça passe. Ok, cool. Crac. Je vais pouvoir mettre un petit peu d'énergie partout. Crac, crac. Voilà. Simone. Voilà. Crac. Oui, donc j'aimerais peut-être mettre fin à cette série. Maintenant qu'on touche un petit peu le endgame, pour certains ça pourrait être le côté intéressant déjà. Pour d'autres ça pourrait être le côté justement où on va attendre les mises à jour. Et j'ai pas envie d'en arriver à ce moment là où justement j'attends la sortie des nouvelles mises à jour. Puisque pour l'instant ce n'est qu'un jeu de survie finalement, avec un développement, etc. etc. Un petit peu comme Starborn l'était au tout début. Et donc au bout d'un moment je pense qu'il y a un stop à mettre. Le prone est là. Donc, pour une suite module, crac, kit de câblage avancé titane. Et donc oui, je pense qu'il y a un moment où il faut dire stop, et aussi, j'aimerais passer à d'autres jeux. Ça clairement, hein, ça, kit de câblage avancé, c'est un circuit intégré, corail plat. Alors, il faudra que je compte, combien j'en ai. J'aimerais passer à d'autres jeux en fait. J'avais par exemple The Final Station que j'aimerais tester sur la chaîne. Et il y a Prey qui va arriver normalement incessamment sous peu suite à cette vidéo. Potentiellement il sera déjà là. Et donc j'aimerais vraiment mettre Prey sur la chaîne. Et donc pour ça je vais peut-être mettre fin à Ghost Recon et à Subnautica. Ghost Recon de manière prématurée et Subnautica alors que nous sommes arrivés déjà à un moment du jeu où on est, je considère que nous sommes dans le endgame. Donc voilà. Alors, Corail Plat. x4 argent quartz. Hop, sachant qu'il va me falloir deux circuits intégrés, donc 2 x 2 x 2 et or x 2. Ok, il me faut tout ça. Ok, on va pouvoir voir ce qu'on a déjà. Donc voilà, j'aimerais passer à autre chose. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je mange ça avec des risques. Corail ordinaire, lithium, diamant, sel, cuivre, rien de ce qui m'intéresse. J'ai un or ici, c'est parfait, donc j'ai besoin de 2 or. Crac, lithium, diamant, minerai d'argent, j'en ai un. J'ai un minerai d'argent, ce qui est trop peu, hein, vous en douterez. Donc c'est pas la peine pour le moment de partir ici. Donc voilà, alors je sais bien qu'il y aura de nouvelles mises à jour qui devraient arriver en plus incessamment sous peu au niveau de Subnautica. Cependant ce sont des mises à jour de contenu actuel je pense, et ce n'est pas véritablement de l'évolution. De plus je considère plus ce jeu comme un jeu de survie que comme un jeu de... merde, je me plante complètement, c'est ici. Comme un jeu de gameplay infini si je puis dire. Donc selon moi ça reste à voir. 1, 2, 3. Il m'en faut un quatrième, ce serait cool. Corail ordinaire, magnétite, diamant, sel, lithium. Dommage. Lithium. Plat. Donc j'ai tout ce qu'il faut en plat. Faudrait que je trouve un petit peu d'argent maintenant. Mais apparemment, je n'en ai pas plus. Ok. Par principe, je vais quand même aller voir. Je peux pas. Où est le Simos ? Je vais aller voir dans le coffre du Simos. Qu'est-ce qu'il avait? Ah oui, les huiles de sang. Pourquoi j'avais pris autant d'huile de sang? Je ne sais plus. D'accord. Donc, à l'heure actuelle, j'ai donc... 1, 2, 3, 4... J'ai du gel sac. Attendez. J'avais des gel sac. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Huile de sang pour le benzène, d'accord, mais c'est pas ça que je cherche. Fibre synthétique, d'accord, cristal d'uranite, aérogel. Non, le gel sac que j'avais pris au plus, c'est ça, c'est bon, ça commence à me revenir. J'ai un peu oublié tout ça. Ok.
Ok. On peut aller chercher de l'argent. L'argent devrait y en avoir autour de nous, là, à l'heure actuelle. Donc je vais aller en chercher. Faut juste que je remonte suffisamment haut pour trouver du grès. Merci, chers amis, au passage. hop. Ah merde, il y a une saloperie ici à gauche. Là, ça en est peut-être du grès, ça. Il y en a deux en plus. Ça vaut le coup d'aller voir. Calcaire. Calcaire. C'est en dessous, c'est au-dessus de 60 mètres, on est d'accord, hein. C'est pas en dessous, je sais plus. Ici, c'est quoi ça? Calcaire. Ok. Calcaire. Calcaire. Je commence à avoir des doutes. Ici. Calcaire. Grès. Argent, parfait. Là, il nous en faut deux. Tac, tac, tac. Donc ça m'en fait déjà deux, donc je suis bon. Où est-ce qu'est mon Simos? Là-bas. Ok. La meilleure amie qui m'envoie texto. j'ai les deux d'argent, parfait. Donc ça j'ai, ça j'ai. Deux de quartz et deux d'or. L'or, je les ai. Le quartz. Il faut qu'on aille chercher du quartz, chers amis. Donc je prends le Simos, qui sera à mon avis plus rapide. J'aimerais partir dans une direction piffée. Voilà. Pourquoi pas, effectivement. Ok. Donc voilà, oui, j'aimerais potentiellement passer à Prey et à. Comment que ça s'appelle? À. Ah tiens, du quartz. À The Final Destination, qui m'a été une. Enfin, je l'ai acheté parce qu'il était en promo. Je me trouvais un petit jeu, en fait, qui je puisse tourner sans être en ligne, sans avoir à comment à être en ligne, sans avoir à prendre trop de ressources pendant que je monte, tout bêtement, en fait. C'est juste ça. Et j'ai trouvé ça, j'ai commencé, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de l'avoir sur la chaîne. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est pas mal, c'est un jeu en 2D un petit peu creepy, un petit peu avec un petit peu de tout, hein, donc pour moi c'est assez intéressant, une vraie histoire en plus derrière tout ça. Et bah peut-être que finalement ce sera un aussi bon jeu de survie slash horreur, même si c'est en 2D, hein, bien sûr. À voir, je suis pas allé très très loin exprès parce que je veux pas en fait tout découvrir, après me dire je vais en faire une vidéo, ça m'intéresse pas. Par contre il y aura Prey du coup, qui lui sera un peu plus horrifique normalement. Et là, ça c'est intéressant. Moi, clairement, ça me plaît le côté horrifique de Prey, et j'espère qu'il sera vraiment poussé. On verra. Ok, on y est. Donc, je récupère toute ma saloperie. 4, voilà. L'argent, 2 d'argent, c'est bien ça. J'ai 2 de quartz sur moi, et il me faut 2 d'or. 2 d'or que je peux trouver à peu près n'importe où ici, hein, normalement. Voilà. L'or, je l'ai à foison, hein, clairement. Ok, on y va. Crac. Circuit intégré. Circuit intégré. Et on en fait deux en comme ça. Et j'ai oublié deux d'or. C'est pas grave. Tout va bien, on les a. Oula, crac, crac, et crac. Ça, c'est fait. Ok, on est bon. Je voulais aussi voir pour tout ce qui est compensateur de pression. Je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Module commun. Balance de pression, lingot de plastacier, circuit intégré. D'accord, lingot de plastacier. Peut-être ça que j'ai chié dans la colle, j'avais oublié le lingot de plastacier. Sais si ça pourrait être intéressant tout ça. Et moi je vais avoir normalement celui-ci. Bras grappin. Par contre, je vais pas avoir le titane. Merde! Je vais pas avoir le titane. On a pu voir que j'ai plus du tout de titane. Merde, merde, merde. Comment vais-je faire? Ok, bon, T'en trouver par là quand même un petit peu. Olé! Ah, voilà. Putain, j'essaie de trouver de l'argent. Non, de l'or. Du titane, voilà. Je peux peut-être en apporter un petit peu plus au passage, je sais pas. Du cuivre, pourquoi pas. Bon, je vais prendre ce bout-là. Ces deux bouts-là. Ce quartz. Voilà, on est bon. On y retourne. On est plutôt bon. Donc voilà, ouais, j'aimerais passer à ça. De toute façon, je vais faire une vidéo, je pense, là dans la foulée, où je vais en parler.
Et on verra bien. Mais ça m'intéresse. Surtout que voilà, je trouve qu'au niveau du gameplay, enfin au niveau du truc, on va faire plus que de l'exploration pour trouver en fait le principe du jeu, c'est qu'actuellement là on va être dans la phase exploration qui va nous, pas nous spoiler, mais qui va nous présenter des zones où il y aura des choses à l'avenir dans le jeu. Et je trouve qu'il y a un manque d'intérêt à avoir à partir de ce moment-là. Et beaucoup de youtubeurs en ont parlé, des youtubeurs surtout anglophones que moi j'ai suivi un petit peu, au niveau de cette série-là en tout cas. Disant que ils veulent pas justement présenter le truc parce que voilà, c'est du spoil pour la découverte une fois qu'il y aura du contenu dans ces régions. Et je comprends un petit peu le bordel, je comprends même très bien. Hop, ok. Crac, on a donc un bras de grappin sur nous. Ok. On va le mettre sur le bras droit. Pif. Hein. Ok. Lingot de plastacier circuit intégré. Ça peut être intéressant aussi de faire ça. Est-ce que j'ai encore ce qu'il faut pour faire un... Oui. Crac. Merci. Du lithium. Je l'ai pris ou pas? Mais apparemment je l'ai pris. Crac. Voilà. C'est un peu long à faire si je me souviens bien, voilà. Il y a un circuit intégré. Circuit intégré, c'est... D'accord, c'est le corail plat, l'argent, et d'accord, ok. Le corail plat, j'en ai plus. Donc, Simos. Donc, Simos. Il va falloir deux d'argent aussi, c'est ça, hein. C'est ce qui risque de poser problème. Crac, crac, crac. C'est pas de l'argent. Ça, est-ce que ça va en... non, ça n'est pas du tout ça. Mais c'est même pas un truc à taper ça, Marcus. T'as vraiment pas les yeux en face des trous. Enfin bon, c'est vrai que le jeu est fait exprès un petit peu comme ça aussi. Hein. Ça, c'en est un. Calcaire. Titane. Bon, je prends parce que j'en ai pas des masses. Crac. J'essaie de rester autour des 60 mètres. On va bien voir. Tant pis. Argent, parfait. Je crois que du coup j'ai les deux d'argent déjà là. Il me reste plus que le corail plat. Qui ma foi devrait pas être trop dur à trouver. Parce que là on arrive dans la bonne région. Là, corail plat. Je l'ai vu, 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 vous inquiétez pas. Stressez pas, je l'ai vu. Ok. Voilà, on est bon. C'est parti, on retourne à la base. Qui est là, voilà. Poussez-vous. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est comme ça que je vais faire de toute façon, hein, chers amis. Hein. Parce que j'ai pris un petit peu d'avance, j'aimerais avoir le week-end, parce que là je vais avoir encore un gros week-end. Je sors beaucoup en ce moment. Je passe beaucoup de temps avec des amis. Du coup voilà, je suis désolé si du coup vos vidéos du week-end n'arrivent pas. C'est parce que je suis pas devant le PC du tout et je suis même pas chez moi quoi, c'est ça le truc, c'est que je suis même pas chez moi du tout quoi. Mais bon, c'est normal, le beau temps revient. Là j'espère pouvoir faire un Molki ce week-end, mais je pense pas que ça va pouvoir se faire. Crac. Ok. Vas-y, fais péter les ressources, c'est bon, circuit intégré. Il en fallait deux? Non, il en fallait qu'un. Hein. Putain, j'espère que j'en ai pris que... Parce que j'en ai pris que pour un. C'est bon. Hop. Et donc du coup, ils ont rien qui dit pour aller plus profond dans le plaisir des femmes. Va. Non, bah non, bah tant pis alors. Ok. Bon. Ah, d'accord, apparemment c'est pas ici qu'il fallait le mettre.
Ok, nouvelle profonde acoustique, 1050 mètres! Mais tu vas tellement profond que... Ah, je peux pas... Non, d'accord. Ouhou! Oula, j'ai tué mon corps. J'ai tué mon corps, c'est bon. Merde, comment je fais pour grimper? Ok. Falloir un petit coup de main là. Ok. Est-ce que je peux m'accrocher au... Oui, je peux. Allez, remonte-moi. Ok. D'accord, intéressant. Mais du coup, il n'est pas censé y avoir une vrille ou un truc comme ça. Voilà. Je sais pas trop comment ça marche encore cette histoire. Je croyais moi personnellement, chers amis, qu'il y avait une espèce de... de perceuse sur ce truc là, personnellement. Hop. Ok. Bon, c'est bon, on est en place. Je vais avoir besoin d'eau. Je vais avoir besoin d'eau. What? Oh putain! Ah oh, c'est chiant! C'est chiant. Et je me rappelle jamais de la commande. Je me rappelle jamais de la commande. Ah! Warp me. On a du bol, hein. Putain. Merci le jeu, quoi. Ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On est sauf. On est sauf. Ok, je vais mettre ça aussi des trucs dans le coffre là parce que ça va plus. On a plein de bordel sur nous. Ok, crac. Ouais, c'est ça que j'ai un petit peu peur, qu'on tourne en rond comme des cons et que finalement, bah, il se passe pas grand chose. Bah, j'avais une pile qui était déjà complètement chargée, bon, c'est pas grave. Ok. Il y a du gaspillage, je sais, mais de toute façon, pour l'instant, je fais de l'énergie à foison, donc ça va. Est-ce que je peux re-rentrer dedans, du coup? Oui, il n'y a pas de problème, je vais l'écarter un petit peu. Parfait, merci. Hop. Ok, le prend en effet. Je sais pas, j'imagine. Canon à propulsion. Pras grappin, pras lance-torpille. Oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'il manque un truc sur ce prawn. Hop, on va aller voir. Ok, faut que je regarde sur la map maintenant. Carte, je sais pas du tout où elle est. Je crois que c'est ça. Voilà. Dunes. En Mushroom Forest, c'est là. Il faudrait que je passe derrière la Mushroom Forest. Ok. On part. On part, on part, on part. Crac. Là, clairement, on s'en va. On s'en va et on part avec ceci. Ça, ça faisait bizarre d'avoir des jambes derrière. On part avec ceci. En espérant pouvoir aller suffisamment profond. De toute façon, normalement, faut que je me dirige simplement vers l'est. Vers l'ouest, pardon. C'est moi qui suis dans la colle. Ok, bon, on y va.
J'espère, en fait, j'espère que la carte est bien nord, sud, est, ouest. Ça m'intrigue. Mais je suis pas tout à fait sûr, en fait, c'est ça le truc. Ce qui est con pour une carte. Il n'y a pas du tout d'indication, en fait. Normalement, sur une carte, quand tu veux appeler ça proprement une carte, faut mettre toutes les indications. L'échelle, les points cardinaux, etc., etc., etc. Enfin bon, c'est une autre question. J'ai pu voir aussi, chers amis, quelques évolutions du niveau du Cyclope, que nous ne verrons sans doute pas dans la vidéo, en tout cas dans celle-ci. Bon, c'est intéressant, toujours forcément extrêmement intéressant. Je viens de baisser pour voir si je suis toujours dans la Mushroom Forest. Apparemment, oui. Ok, on progresse. Mais bon, voilà. Donc, je vais faire encore une vidéo après celle-ci, où j'annoncerai la même chose que dans le début des vidéos, que j'avais envie de changer, et je changerai si effectivement ça vous dérange pas. Moi j'ai clairement envie de... Je vous invite à aller voir directement dans Steam, The Final Station. C'est un petit jeu qui a l'air vachement sympa et un petit peu glauque limite par moment, je pense, en termes d'humanité. Et moi ça me plaît, ça m'intéresse ce genre de petit jeu où justement on peut réfléchir à ce qu'on est, et ce qu'on représente dans une masse. C'est un petit jeu de, entre guillemets, de zombies à mon avis. Hein. En tout cas, une espèce de zombie. Poupiloupilou, j'ai dû prendre le chemin le plus long pour le traverser, mais c'est pas grave. Je vois à peu près où je suis sur la map, donc... Enfin, à peu près où je suis, j'imagine à peu près où je suis. Mais je crois que ça descend profond. Trop profond pour le Simos. Voilà, on arrive aux dunes. Et donc normalement, dans ces dunes, il y a des Vrex. Apparemment, il y en a surtout une. Alors. Est-ce que je peux avoir des phares, s'il vous plaît? Ah oh, mais je me rappelle aussi de la zone! C'est pas dans cette zone-là qu'il y a un gros truc aussi? Ça, c'est pas extrêmement important. Qu'est-ce que c'est devant? Une espèce de montagne. Ah, je vois rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, j'ai l'impression qu'il est censé y avoir quelque chose ici, mais qu'il n'est pas chargé, regardez. Ok. C'est bien chargé ce biome, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'il me manque un bout de mon jeu là, ça me plaît pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il manque carrément un bout de ma carte là. On est d'accord. Ou alors c'est un problème d'ombre. Ah bon, ça reste grave quand même, là, pour le coup. Je sais pas du tout où c'est censé être. Pas dans la bonne région non plus, cela dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis un peu paumé. Parce qu'en fait, la carte, là, c'est juste un immense... une immense zone, là, pour le coup. Et... Après, je regarde au niveau des... Normalement à 500, moins 1500, j'ai un trou. Si je peux trouver ça, je crois que c'est avec F1. 500, moins 1500. Alors, attendez. Là, je vais pas dans la bonne direction. Et on est bien dans le bon biome. J'avais pas vu qu'il y avait le nom du biome. Donc on est bien au bon endroit. Hop.
Moins 1500. 500, ça devrait pouvoir être trouvable par là. Ah, ça va être en plein milieu du truc. Si c'est le cas, je suis baisé. Normalement dans cet endroit, dans cette... D'accord, c'est le truc qui téléporte ça. Voilà, il y a le gros trou ici. Et donc normalement, si je remonte au niveau des 500, c'est-à-dire si je vais par là, non par là. Crac. Si je vais... Bah non, c'est normalement, c'est si je vais par là. C'est plus ou moins sur la même ligne, normalement. C'est bizarre comme carte. C'est vraiment très bizarre. Normalement, c'est censé être plus au nord. Je serais passé... Ou alors, c'est... Ah putain, ça se trouve, c'est la zone buggée. Nom de Dieu. Ça se trouve, il est là. Donc je vais racler le sol, et ça se trouve il est là. Putain. Ah j'ai pas de bol. Ça correspond en plus en termes de zone. Putain. Il est censé être là. Ah là 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 là. Il est censé être là. D'où le fait qu'il charge pas. Vous voyez, il y a les trucs autour en plus. Ah, il est même pas autour, il flotte dedans. Ah, la vache, je suis niqué, il est bugué. Merde. Ce Vrex qui devrait être présent ne l'est pas. Et le pire, c'est qu'on l'entend, quoi. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est essayer de trouver une commande pour recharger les biomes. Je ne sais pas si ça existe. Heureux. Donc, je suis aux coordonnées du... Enfin, du truc. Normalement, ils sont censés être en dessous, là. Par là, mais il n'y a rien. Vous voyez, comme pouvoir, on peut voir enfin la zone, cela dit. Je me suis déplacé aux coordonnées. J'ai eu quelques bugs, même, qui m'ont assez fait flipper, je dois l'admettre. En voilà un, par exemple. Crac. J'ai de plus en plus de bugs, en fait, sur cette partie. J'aimerais bien comprendre. Tu veux bien rouvrir? Merci, voilà. Ça, c'était à moitié con à faire. Voilà, parfait. Donc là, maintenant, si je fais ça... Voyez. Allez, voyez, voyez, voyez. Bref. Donc, bah écoutez, je vais faire des recherches pour essayer de trouver mieux en termes de comment de Vrex. Et je vous retrouve dans le prochain épisode, voilà. Salut les gens!